Alléluia. Faut qu'on peut balancer, mais bye, bon Dieu, gloire, parce qu'il mérite gloire, il mérite louange, il mérite adoration. Balancez mes mains devant bon Dieu. Si vous levez matin en vivant, si vous pas couché sous cabane l'hôpital, même si vous avez douleur encore, mais bon Dieu fait, vous avez souffle de vie. Balancez mes mains devant bon Dieu, parce que il mérite gloire, il mérite louange, il mérite adoration, il mérite action de grâce. Balancez mes mains, on dit béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat. Mais droit à la bataille, répétez-le encore, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat. Mais droit à la bataille, une autre fois encore, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat. Mais droit à la bataille, on dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. On nous dit alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Alléluia, honneur. Alléluia, louange. Béni soit l'Éternel. On nous dit c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Béni soit l'Éternel. Gardez, applaudis Seigneur parce que il mérite ça. Si vous êtes vivant maintenant, c'est parce que bon Dieu vivant dans la vie. Si vous pas couché sous cabane de l'hôpital, c'est parce que bon Dieu vivant. Parce que plan ennemi, aujourd'hui dimanche matin, c'est pas là pour t'aider. C'est dans le moque pour t'aider. C'est sous cabane de l'hôpital pour te coucher. Gardez, c'est magie pour t'avoir fait dans le moment ça. Mais Seigneur, fort grâce. Ou pas pis bon parce que ça y'a qui couché sous cabane de l'hôpital. Mais bon Dieu, fort grâce matin pour vivant. C'est pour bailler bon Dieu gloire parce que le mérite gloire. Parce que le mérite louange. L'Éternel passe en pile moun nan place moi pour qu'elle soit pour qu'elle matin. Lui passe en pile moun nan place pour qu'elle matin. Que en pile sang qui verse pour capable la matin. Parce que plan ennemi en spécialement diable racial pas de vle pour te nan place sa matin. Mais bon Dieu fort grâce pour la matin. On nous dit merci Seigneur. Gardez dit ça avec yon la joie dans cœur. Vous dit merci Seigneur. Dit ça en signe de reconnaissance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Amen. On nous chante numéro 19 en français. Chant d'espérance qui dit le nom de Jésus est si doux, de Dieu des âmes le courroux. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des âmes. Le courroux, il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus, et les Jésus, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux don. Suprême rançon, sois adoré et pour toujours j'aime ce nom. Dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son précieux nom. De Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Jésus, oh béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours j'aime le nom, comme le chagrin, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Précieux nom de Jésus. Oh, béni soit ton nom.
Jésus, c'est oh merveilleux don, Jésus, suprême rassemblement, sois adoré et pour toujours. Et si parfois, Jésus, si dans le mal, je suis tombé, oh non, son nom puissant, ma voix, Jésus, précieux nom de Jésus, relâché, oh, béni soit ton nom, Jésus, oh, merveilleux nom, Jésus, suprême rassemblement, sois adoré et pour toujours. Oh oui, sois adoré et pour toujours. Ah, sois adoré et pour toujours. Oh, sois adoré et pour toujours. Ah, sois adoré et pour toujours. Oh, sois témoigné. Et pour toujours, oh, oui, sois loué. Et pour toujours, ah, sois loué. Et pour toujours, ah, oui, sois acclamé. Et pour toujours, ah, oui, sois acclamé. Et pour toujours, Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux, oh oui, Jésus, suprême rassemblement, ah, Jésus, et pour toujours, oh oui, sois adoré, et pour toujours, ah, sois adoré, et pour Oh, sois adoré et pour toujours. Ah oui, sois adoré et pour toujours. Oh oui, précieux nom. Ah, précieux nom. Oh oui, précieux nom. Ah, précieux nom. Jésus, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux nom, Jésus, suprême rassemblement, sois adoré et pour toujours, sois adoré et pour toujours, sois adoré et pour je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Oui, Seigneur, matin, nous voulons pour nous boire une louange. Nous voulons pour nous boire une adoration. Même son serviteur David te dit, c'est pour louange, toujours dans la bouche. Moi.
Seigneur, matin, nous venons dans la présence. Nous venons dire merci parce que tu protèges nous. Depuis le commencement, moi, et je dis à nous arriver dans le dernier dimanche dans moi, ou continuer à protéger nous toujours. Nous disons merci pour ça. Nous disons merci, Seigneur, pour chaque serviteur, pour chaque servant tout, qui est déjà là dans la place. Et maintenant, nous venons demander, s'il vous plaît, râlez chez vous pour chita, pour garder, Seigneur, pour tendre serviteur et servant tout, qui vient maintenant pour venir boire gloire, louange, honneur, adoration, ou même seul mérité. Seigneur, à ce matin, nous demandons, remplis-nous avec Saint-Esprit. Dépouillez-nous, Seigneur, de tout vieux esprit qui pas de nature, qui pour adorer au matin. Et nous demandons, Seigneur, c'est pour faire ça là, rempli avec puissance. Dans nos onctions qui sortent la caillou, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Matin, Seigneur, c'est pour tout ça qui fait, pour le fait pour gloire, non. Nous demandons, Seigneur, c'est pour, Seigneur, Dieu, utilisez-nous dans la façon que vous voulez, matin. C'est pas ça que nous voulons qui parle fait, Seigneur, mais on va mettre parole dans la bouche, nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous remettre, Seigneur Dieu, chaque membre qui est ensemble avec nous, matin. Nous demandons d'utiliser vos calios, Seigneur, pour chanter pour vous, pour vous avoir gloire. Utilisez, Seigneur Dieu, pasteur qui vient pour prêcher matin. Et utilisez, Seigneur, chaque musicien qui a embelli service là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous demandons, Seigneur, chaque monde qui chita dans la place là, matin. Moun qui vient avec cœur attristé, moun qui vient avec cœur brisé, moun qui senti yo malade, qui senti yo pas capable la matin, mais qui fait effort venir en place à Seigneur. N'a mando s'il vous plaît gens que yo té venir en pas quitter yo aller comme ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que yo venu dans salle opération, yo venu Seigneur dans l'hôpital spirituel là Seigneur Dieu. Côté nous connaît Seigneur non seulement qu'a guéri yo spirituellement, yo qu'a guéri yo tout physiquement au nom de Jésus. Et on connaît que moun tout qui couché c'est qui attendez nous sous les matins. N'a demandé s'il vous plaît au nom de Jésus. Pendant attendez service ça matin. C'est pour faire béni au nom de Jésus. Seigneur, prend place dans service. Ça que dans route qui vini. N'a demandé s'il vous plaît halte pas et on va mener au venir pour nous en bien. Et c'est que nous matin nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth à lui même seule gloire, louange au siècle des siècles. Amen. Pour nous capables continuer, pour nous capables gain lecture nous. Nous allons chanter dans le numéro 28 en français. Et pour nous capables de continuer le service nous, à la gloire de Dieu. Nous allons chanter dans le temps qui dit « Mon seul appui, seul ami, c'est l'Est. » Mon seul appui, seul ami, céleste, Jésus seul, Jésus seul, et mon laisse ensemble, cet ami me reste, Jésus, 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 cet ami, cet ami, qu'on aime et sa l'âme, son amour guérit ma douleur, sa vie est toute mes larmes de sauveur, de sauveur. On reprend encore. C'est l'ami céleste, Jésus, oh Jésus, plaisant, sans bon, cet ami me, amen, Jésus, ah Jésus, cet ami, on aime ça, oh oui, son amour, guérit ma douleur, ah, il s'amène, Jésus, et toute ma désir, c'est de le connaître. Ah, Jésus, ah, que sa paix remplisse mon âme. Oh, Jésus, cet ami, ah, qu'on aime sa larme, son amour. Oh, oui, sa Jésus. Jésus est toute mère, ah, le sauveur, oh oui, dans le temps de danger,
Jésus, dans mes soucis, à lui je regarde. Oh oui, Jésus, oh oui, cet ami, donne mes larmes, mon amour. Ah oui, ça m'a essuyé toutes mes larmes. Oh, ça m'a essuyé toutes mes larmes. Amen. Sauveur, oh oui, ça m'a essuyé toutes mes larmes. Sauveur, oh oui, cet ami. Jésus seul, ah Jésus.
Jésus seul. Ah, Jésus seul. Ah, Jésus seul. Oh oui, Jésus seul. Ah, Jésus seul. Ah, Jésus seul. C'est mon Dieu, alléluia. Alléluia. Sous compte en place ce matin, dit alléluia. Alléluia. Si sous ta vie ou gagne matin, c'est Jésus, dit alléluia. Alléluia. Si l'on a crié, c'est Jésus qui est l'eau dans le ciel, dit alléluia. 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 Si l'on a détresse, c'est Jésus qui est l'eau, dit alléluia. 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 Yes, la vie dans place ça yon dimanche matin. Après on fin passer une semaine ou pas payer l'argent ou pas coucher sous cabane l'hôpital. Ou valer moun ou ka mourir pendant semaine. Ou valer accident ou qui fait. Ou Jésus pas qui t'ont passé dans accident yo. Ou Jésus pas qui t'ont couché sous cabane l'hôpital. La vie là c'est adorer mon Dieu camper sous bien ou. Parce qu'on fait 8 heures de temps ou fait 40 heures de temps camper sous bien ou. Ou pas jamais fatigué. Je dis à c'est l'heure pour vin bay pour Dieu gloire. Pour balancer mer pour nous dire pour Dieu merci parce que c'est pour l'argent qu'on paye pour ça. C'est seulement balancer mer pour dire bénis roi l'éternel, pour dire alléluia, pour dire c'est l'éternel qui est Dieu, pour dire gardez qui j'en bon Dieu fidèle, gardez pas mourir dans l'accident ça, gardez valet complot ennemi en faire sous dôme, bon Dieu fait vivant, moi vin baille bon Dieu gloire pour ça, à la manière de serviteur d'arrivée. David, qui est toujours à bon gloire, parce que à chaque fois qu'il y a une bataille, il réalise que c'est vous-même qui campez avec. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur, nous fait place pour la lecture à la gloire de Dieu. C'est juste faire lecture. Trouvons la lecture de la parole de Dieu dans le psaume 66, que je vais lire pour vous, et vous suivez attentivement. Psaume 66. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force. Tes ennemis te flattent. Toute la terre t'adore et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors, nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme. Et il n'a pas permis que notre pied chancelle, car tu nous as éprouvés. Ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as emmenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez, écoutez vous tous qui craignez Dieu et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche,
et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui n'a pas retiré sa bonté. Parole du Seigneur. Amen. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mers au combat. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mers au combat. Qui exerce mes mers au combat. Mes droits à la bataille, qui exerce mes mers au combat, mes droits à la bataille. Amen, nous dit merci avec serviteur nos frères Alex, et nous pourrons chanter numéro 62 en créole pour nous capables d'entrer dans la grande prière nous. À la gloire de Dieu, longtemps moi t'ai été dans l'orgueil. M'pas te rendre compte Seigneur m't'ai crucifié. M'pas te connaître c'est pour moi sans le couler sous bois calvaire. Longtemps moi t'ai été dans l'orgueil. M'pas te rendre compte Seigneur t'ai crucifié. M'pas te connaître c'est pour moi sans couler sous bois calvé toute grâce mon Dieu c'est pour grand merci Jésus t'es bon moi. Tout le monde est pour grand.
grâce par la prière. Nous inviter à prendre une position d'humilité parce que nous allons communiquer, nous allons parler avec notre chef suprême, le grand Dieu de l'univers. Non pas à nous, ô éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, mon âme bénit l'Éternel. Que tous ceux qui est en moi bénissent son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Ce matin, nous voici, Père de gloire, ô prosterné de devant majesté au Seigneur, pour nous merci matin. Merci Seigneur pour notre semaine, oh Dieu, que tu as accordé à ton peuple. Merci pour ça, qui t'est entreprendre, Seigneur, un très long voyage. Pendant que je passe, mon Dieu, protégé, oh Seigneur, pour te garder, afin que tu sois capable de retourner en sein de sauvre la caillou, puis de joindre une famille, oh Seigneur. Nous te remercions, Père de gloire, ou ça, ou qui t'a conduit sur highway, et ça y est, cher Seigneur, ô éternel des armées, qui d'abra le travail pendant le jeu, ou t'es gardé, ou t'es baillé aux forces, Seigneur, ou t'es bonheur, toute protection, de manière à ce que nous t'es capables, notre Dieu, évacuer activité, non Seigneur. Nous te remercions, Père de gloire, pour chaque membre, famille, non Seigneur, qui ou t'es protégé, qui ou t'es gardé, Seigneur. Merci pour chaque membre de la première église baptiste. Oui, Père de gloire, ou t'es gardé, Seigneur, ou t'es protégé pendant un jour passé. Merci d'esprit encore, ô éternel des armées. En ce matin, ô Père Mère, que nous sommes capables de réunir, Père de gloire, en ta présence, Seigneur, pour nous venir adorer, roi, parce que c'est mon Dieu qui méritait, ô toute gloire, toute l'honneur, toute louange. Oui, cher Seigneur, c'est ce que ta parole nous enseigne, car tu dis dans le psaume 150 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Merci, matin, pour souffle de respiration qu'on va nous, Seigneur. Merci, dès que jour après jour, ou accorder de la motivation à nous, Seigneur, de manière à ce que nous sommes capables de mesure. Oui, papa, pour vivre dans ton plan avec motivation, avec détermination, oh Dieu, pour nous venir adorer, pour nous venir exalter, non, car nous réaliser, ou mériter gloire, ou mériter honneur, parce que nous avons évalué, Père de gloire, ça vous fait dans la vie, oh Dieu, ça vous fait dans la vie familiale, et ça vous fait dans la vie de la première église baptiste de notre vie, Seigneur, ou mériter, pour nous exalter, non, oh Seigneur, ou mériter, pour nous glorifier. Non, matin, nous pas gagné langage, Seigneur, nous pas gagné expression pour témoigner, bien faire, oui, seulement, Père de gloire, accepter adoration, accepter louange que nous venons offrir au matin, et ça fait au nom de Jésus, nous couper bien par le vent au matin, Seigneur, pour nous demander pardon également, pour faute, nous, Seigneur, pour péché, nous, tout ça nous fait pas fort plaisir. Nous venons demander au pardon, Seigneur, car nous connaissons où sont bon Dieu qui sert, où remets-nous, amour pour nous, extraordinaire, Seigneur. Mais bagaille courraillie, c'est tout ça n'a fait, qui part de nature à te glorifier, puisque, Seigneur, dans tous les grands désirs, c'est pour une bonne gloire dans la vie de Seigneur, dans tout ça n'a fait, mais bien souvent, malgré notre bonne volonté, notre bonne détermination, mais il y a un ennemi qui se tient, Père de gloire, oh, devant nous, cher Seigneur, pour nous empêcher à te glorifier, pour nous empêcher à vivre une vie qui te soit éternelle des armées, oh, glorifié, qu'on sache ce matin, nous vîmes demander pardon, nous vîmes demander que grâce au Seigneur va manifester envers nous, parce que oh, c'est bon Dieu de grâce, oh, c'est bon Dieu de compassion, tout c'est bon Dieu
de miséricorde ce matin au nom de Jésus. Que le Père de gloire va manifester compassion envers nous, de manière que nous soyons, ô Éternel, vivre dans la sainteté, parce que nous t'érudons, ô comme peuple, ô Dieu, qui mis à part, de manière que la vie nous, capable d'exalter nous, capable de glorifier nous. Et c'est pour cela, ce matin, n'a pris au souple, fais grâce, Seigneur, à chaque bien-aimé, chaque servant de serviteur, ici présent ce matin, et même saillot, Père de gloire, qui empêchait pour la matière, mais qui m'aime, famille, ça, Père de gloire, nous remettre la vie dans la mer, n'a pris au souple, continuez nettoyer, continuez purifier, continuez laver nous, continuez sanctifier nos seigneurs, pour que la vie nous, capable de continuer à servir, nous instruments de gloire pour nos seigneurs. Nous remettons nos mères, nous menons ça, Seigneur, ô Éternel des armées, ô notre 25e anniversaire, ô ce grand moment qui est déjà mis à part, ô Dieu, pour témoigner à toi notre reconnaissance, ô Dieu, devant bien faire, ô envers nous, envers cette communauté, par les vies, ô Dieu, ô les cette œuvre que tu as placée dans cette communauté, à moment, Seigneur, où il n'y avait plus d'église, il n'y avait aucun moyen pour que peuple ou Seigneur soit capable de réunir pour adorer, pour glorifier nous, pour exalter nous. Merci pour les serviteurs, pour te susciter, oh Dieu, pour te servir avec vous, pour te utiliser vous, de manière que l'œuvre ça soit capable de prendre sens. Aujourd'hui, encore une fois, nous remercier, nous bas aux gloire. Nous exaltons, Seigneur, pendant que nous prions, que nous prenons opposition, dans tout ça, nous faisons dans l'occasion, ça, Seigneur, d'abord ton serviteur et chacun d'eux qui va présenter, qui va au Éternel des armées, en fait partir, ou des serviteurs, instruments qu'on va utiliser pour que cette semaine, ça, au Dieu, dans une semaine extraordinaire, nous prions, s'il vous plaît, Père. Provision, Père provision, Seigneur, Père provision, dans la vie nous, dans la vie prédicateur nous, dans la vie des servants de Dieu, viens pour conduire au peuple devant le trône de la grâce, Seigneur, car nous connaissons sans présence au Dieu, oh, il est pas bon, Seigneur, tout ça, on essaye, non, dans le psaume 127, oui, nous qu'à lever bonheur, oui, nous qu'à l'habitat au Dieu, mais si présence au palais, oh, il est pas bon Dieu, c'est la raison pourquoi ce matin nous prions souper, occuper pour la première place, soit au Dieu notre invité d'honneur à travers tout ça que vous faites. Béni Éternel des armées, en chaque entité, Père de gloire. Oh, qui a travaillé, Seigneur, oh, de manière que non seulement semaine ça, mais une semaine extraordinaire, mais que l'Église capable poursuivre sa mission, Seigneur, que l'Église capable camper, oui, Père de gloire, dans cette communauté, oh, avec drapeau l'Évangile là, pour lever de plus haut en plus haut, Seigneur, de manière saillot, oui, qui encore le roi, qui a vive dans le roi, Seigneur, bien capable de comprendre, oh, après la vie, tout n'est pas fini. Après la vie, sous terre, ça, oh Dieu, il y a une vie qu'on réserve. Mais cette vie, Père de gloire, est possible pour ceux qui acceptent notre Seigneur Jésus-Christ dans la vie, oh, oh Éternel des armées, comme Sauveur, comme Seigneur, comme Dieu. Et comme ça, même si nous va éprouver, même si pas un problème, pas un difficulté, qu'il décevra, mais nous connaissons, après la vie sous terre, ça, oh Dieu, nous va revivre encore, et pour ça possible, c'est des serviteurs, servantes, que nous prions, s'il plaît, que nous va accorder de la sagesse à chacun de nous, oh, de l'humilité, oh Dieu, pour capable servir avec nous, en juste pour la gloire de ton Seigneur, pour l'avancement de ton royaume, oh, pour échapper, ça, yo,
qui encore, Père de gloire, dans la boucherie de l'enfer, car nous connons qu'à faire, parce que c'est bon Dieu. Bénis les hommes de l'église, bénis les dames, Père de gloire, bénis nos musiciens, car on connaît au mieux que moi-même, Seigneur, on connaît besoin, on connaît, cher Seigneur, tout ça que vous manquez, puis vous capable des serviteurs authentiques pour Dieu, des serviteurs que vous capable d'utiliser un juste pour ta gloire et pour avancement de l'évangile. Nous remettre nos mères, oh chaque bien-aimé qui est toujours éternel, oh fidèle la mission, pour travailler, oh en particulier dans le domaine en technologie, pour permettre que non seulement, oh Dieu, ici, oh la première église baptiste, nos frères et sœurs bien-aimés, bien capables de vivre au service dans l'autre dimension, oh Dieu, mais pour permettre ça, qui par mesure, pour physiquement vivre dans le temple, mais va en mesure, au Père de gloire, pour adorer avec nous, pour exalter nous avec nos dieux, et capable d'écouter, oh, le message ou la parole de Dieu. Nous prions, s'il vous plaît, pour va bénir, continuer par vos sagesse, par continuer, Père de gloire, accorder de l'humilité à vous-même, et ouvrir encore une fois en leur connaissance, au Dieu, et que chaque jour, il est capable de servir en juste pour ta gloire et pour avancement de ton royaume. Béni, Père de gloire, où les enfants de l'Église, la jeunesse de l'Église, et les vieillards, Père de gloire, où qu'on est côté oyer, où qu'on est besoin, où qu'on est difficulté, où qu'on est dans les angoisses, Père de gloire, qui a traversé la vie, en particulier la sœur Iliette en beau séjour, où qu'on est petite fille, où qu'on est besoin, Seigneur, où qu'on est, ô éternel des armées, la désolation, ô que cœur bien expérimenté ces derniers temps, ô Dieu, mais puisque me connais, où c'est bon Dieu, où c'est réparateur des brèches, où c'est Dieu de restauration, Seigneur, nous comptons sur grâce, espérant au notre Dieu, que va toujours en jouir de ta présence, et qu'on soit capable de réaliser avec Jésus, tout n'est pas fini. Avec Jésus, bien c'est la paix, avec Jésus, c'est la joie, même dans les moments difficiles. Cher Seigneur, nous comptons sur grâce, nous prions pour en ce pays que nous vivons, Seigneur, les responsables du gouvernement, oh, qui fait face au notre Dieu à un moment difficile. Et bien, à prier, puisque c'est Dieu la sagesse, ou c'est bon Dieu et qui baille compréhension, ou c'est bon Dieu qui compte guider, ou c'est bon Dieu qui compte diriger. Et bien, matin, nous prions pour le président particulier, permet au Dieu que le capable prend des décisions de sagesse en lui manière à sauvegarder, ô éternel, intégrité de ce pays, parce qu'on déclarait, lorsque pays ça l'a bien marché, oui, parce que nous-mêmes qui n'en pays ça, eh bien, a bénéficié, oh, des bonnes gouvernances de ce pays, et c'est pour cela, oh Dieu, on a pris, oh, t'en prie, Seigneur, prends position dans le cœur, oh Dieu, en personnage ça, Seigneur, de manière que le capable, oh, en mesure, oh, de prendre décision, oh, qui va servir au profit de ce peuple qui a vivre dans le pays ça. Papa qui dans le ciel là nous connaît, oui, rien n'est impossible à toi, Seigneur, car c'est vous-même qui dit, demandez où va pour nous, et frappez où va l'ouvrir pour nous, Seigneur. Père de gloire nous connaît, oh, dans la souveraineté, oh, dans la bonté infinie, oh, et tu as un plan pour notre pays, pour une défaite là, oh Dieu, pays d'Haïti, Seigneur, qui en a besoin et qui attend le secours d'en haut, parce que ils ont essayé, Père de gloire, ô éternel des armées, et tous les présidents, ils ont essayé, et pas mal, ô des ministres, ils ont essayé au niveau, ô du parlementaire, dans les sénateurs, dans les députés, ô Dieu, ô, et malheureusement,
pas rien qui rive fait au Dieu au profit du pays. Père de gloire, ma terre, au nom de notre Seigneur, et sous Jésus-Christ, on a prié au temps près. Et on va parler, Seigneur, et on va parler, parce que parole l'a enseigné, non, tout le monde met parler, vous met dit ça, vous voulez, mais dernier mois, c'est où gagne le Seigneur, dernier mois, et dans mon lié, Seigneur, et on a prié au temps près. Visitez pays ça, oh Dieu, visitez peuple, non, papa, et ça, yo, qui t'est frappé à l'occasion de ce tragique entraînement de terre, de remettre la vie aux mer, on va visiter yo, on va restaurer, Père de gloire, et bien ça, yo, qui perdu aux membres famille, yo, ça, yo, qui perdu bien, yo, ça, yo, qui perdu caillou, Seigneur, mais qui pas connaît, qui ça, yo, pourra le faire, puisque le monde, la terre appartient à vous-même, la prière souple, et on va jeter un regard favorable à vous-même. Et bientôt, cher Seigneur, on va camper pour témoigner. C'est l'Éternel qui est sur la est venu. C'est un prodige à nos yeux. Oui, c'est vous-même seul qui va faire le Seigneur. Nous comptons sur grâce, Père de gloire, dans l'omniscience, Seigneur. Vous connaissez tout ça pour nous dire et que nous pas dit. Mais nous prions souple au nom de notre Seigneur. Et soit Jésus-Christ en pouvoir et continuer à agir et faire pour nous souple au-delà du mérite. Non, papa, ses prières. En ses faveurs, ses grâces que nous demandons, pas parce que nous pas, ou bien nous dit Seigneur, mais nous t'en prions, non, non, notre Seigneur, axe vers nous Jésus-Christ, celui qui vit de qui règne au siècle et des siècles. Amen, amen. Il n'a pas invité ou même qui t'a parlé avec le Seigneur et qui croit en selon sa grâce, en selon sa bonté, qui dit mandem et sa cœur désiré, et m'va baroule, puisqu'on croit, et bien des filles yo levé par le Seigneur, ou même qui croit que ont remporté la victoire d'aussi au lac devant bon Dieu, depuis peut-être en plusieurs mois, plusieurs années, et bien t'attendez prière yo, donc ils répondent à eux-mêmes, en nous criant par la foi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au digne de gloire Seigneur. Au digne de gloire Seigneur. Au digne de louange Seigneur. Au digne d'exaltation Seigneur. Frappez-moi pour le Seigneur. On nous dit gloire. Honneur, adoration, exaltation, action de grâce à l'Éternel des armées. Gloire, louange, honneur, adoration, exaltation, acclamation à l'Éternel des armées. À l'Éternel des armées. Béni soit l'Éternel. Pendant que Orchard a pas passé pour recueillir dans l'église, non, nous allons chanter dans Haïti chante avec Radio Lumière numéro 11 en créole qui dit promesse là yo bien doux, parole là bon, les plus précieux parce que n'importe qui l'autre message, Christ est gagné à mon propre, les sans péché, les c'est plus grand exemple qui jamais existé. Promesse la yo bien doux, parole la bon, et puis précieux passé n'importe qui l'autre message. Christ est gain pensé propre, li sans péché, li c'est bigra exemple qui jamais existé. Le bon m'a suivi, le bon m'a suivi. L'amour, Jésus montre, c'est merveilleux. Il nous passe tout ça, les gens car.
pour ça yo qui perdu la paix pleine. Lui c'est plus grand et ça qui jamais existe. Oh, le temps lui m'a suivi, tellement le temps lui m'a suivi. Si parce que pour Dieu, t'es comme dans l'expérience.
invité pas accepté pour l'homme ça pas qu'on m'a tué pour celui qui a fait ma défi pas prendre la mer l'homme pas qu'on m'a tué pour dire qu'on s'en a pas de côté pas accepté ça c'est pour porter ma chère c'est pour marcher pour un homme ça l'homme ça compétit pour le pas faire plus royal là pour le mettre petit pour Dieu faire esclave la gagne mais pas d'accord 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 amen 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 même pas si même pas si même pas si oh même pas si Amen, amen, amen. Est-ce qu'on pas content matin? Est-ce qu'on a place ça? Regardez, l'on lit la Bible, l'on lit l'histoire, bon Dieu. Ou pas qu'à paix bataille là. Ou pas qu'à paix. C'est vrai, ennemi qui a frappé. C'est vrai, ennemi qui a bon pile de gros défi. Avec force ou pas calé. Mais sous quoi dans bon Dieu? Victoire, c'est pour mon cap prier. C'est ça, David. David dit Goliath. Il dit non, pas accepté. Malgré, il y a plus milliers de son timoun. Mais il dit, moi, je ne vais pas prendre l'homme. Devant mon Dieu, pas de timoun. La présence mon Dieu dans la rue, pas de timoun. Quel que soit grosso et bataille là, c'est parce que mon Dieu qu'on est capable. C'est ça qui fait qu'il est dans la bataille ça. C'est parce que la défense nous, les connaît ou a réussi quand même. Quel que soit yo warrior, un petit grand Jésus qui est dans ou même là. Les côtes pour bataille, quel que soit division qui t'a levé contre nous. Au nom de Jésus, mais fais mon Dieu confiance. Je souhaite que mon Dieu bénisse, que mon Dieu cache, que mon Dieu serre. Qui connaît pour qui m'a ploué les moins songés qu'au tout est grand oh oui Jésus sauvé pour merveilleux les moins songés qu'au tout est oh Jésus sauvé Mériter exaltation. Nous comptons, nous bénis le nom du Seigneur pour ça le fait déjà parmi nous et ça l'a continué fait. Et nous saluerons très cordialement Jésus-Christ en vous-même qui est pas avec nous pendant quelques jours. Nous comptons en le fait que le Seigneur n'est possible que nous ensemble ce matin pour adorer le Seigneur, pour glorifier le roi des rois, le tout-puissant, celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Donc, nous avons quelques bien-aimés qui étaient en voyage. Et donc, nous, en le nom du Seigneur, le fait qu'ils retournent en bien, Abdi, welcome back, en bienvenue à la sœur Darlene, qui était entreprendre un si long voyage. Mais bon Dieu, permette de retourner en bien. Bienvenue, welcome back à la sœur Hélène et le frère Daël qui est sous et Batria qui était entrepreneur dans un long voyage. Hein, bon Dieu permet de retourner en bien. Et nous, bon Dieu, gloire pour ça. Et welcome back to Brother Smith. Of course, nous t'aimons Kelly pendant quelques dimanches. Mais bon Dieu et permet que l'y retourne en bien pour que y ait avec nous ce matin. Et pour glorifier le Seigneur, oui, il y a plein de monde qui parle là. Et nous saluons la sœur Alice qui est là et qui est maintenant terminée, voit avec nous dimanche matin. Nous allons, mon Dieu, gloire à vous ça. Et nous comptons nous rejouer, tandis que il y a plein de visage qui est toujours pas là. Nous comptons, oui, ce beau matin hein, qui est avec nous. Ce beau ici, Masla, pour moi, vous allez la net à la gloire du Seigneur. Vous me signifiez, il y a toujours frère. Gloire à Dieu. Donc nous bon Dieu gloire. All right, c'est bon. Nous comptons que bon Dieu veut dire. Et bon Dieu a fait de grandes choses. Nous glorifions pour ça. Et nous comptons voir la sœur Gina qui est avec nous encore ce matin. Et bon retour à la sœur Lila. Donc nous ne va pas répéter parce que nous sommes tellement pile. Sœur Lina, welcome back.
Et donc, nous avons de gloire de faire que vous toujours rassurez-vous que vous occupez place ça, que vous chita journée jeudi. Mais cependant, nous avons un rendez-vous spécial à vous jeudi, jusqu'avant que nous partagions avec vous les mots de la parole de Dieu. Et qui rendez-vous le encore? Et ma foi, c'est mémoire fidèle. Et sous son rendez-vous, nous avons avant au matin. Hein? Ah, offrande de support. Welcome back à ce Rose qui était en tout long voyage. Regardez pour voir si je fais mention de lui. C'est Rose, je ne vais pas oublier. Nous avons Dieu gloire qui était protégé. Donc, rendez-vous, c'est offrande de support. Fais ça? Ok. Donc, nous espérons que nous avons fait ça à la gloire du Seigneur. Et nous avons continué à chanter. Par contre, si mesdames, moi, vous ferez. Et nous avons continué à témoigner, merveille bon Dieu. Nous avons songé côté MTI, va vrai. Jésus sauvé, il est merveilleux. Et pour cela, et tout ça, que le permette que moi fait pour glorifier non, nous avons fait juste pour la gloire de son nom, pour le progrès de l'évangile. Amen. Et on dit toujours, la prière bien ordonnée commence. Par soi-même. Est-ce que c'est moi-même qui t'ai dit ça? Donc, là, commencer par moi-même. Donc, me dis par moi-même. Merci. Nous espérons, comme on t'a dit, que vous portez une offrande qui tout à fait spéciale parce que nous disons, bon Dieu, merci. Nous n'avons pas gagné les membres en formule, nous qui gagnent famille au Haïti qui est affecté, c'est-à-dire. Qui perdu la vie, mais gagné qui a caillou crasé. Et pour cela, et la Bible dit que lorsque nous avons réjoui, nous réjouis ensemble, mais si gagné souffrance, si gagné épreuve, eh bien, faut nous camper avec bien-aimés pendant l'épreuve. Parce qu'on connaît que mon Haïti, lorsque il y a un problème, ça y est, eh bien, c'est sous nous fixé, va sous bon Dieu. C'est avec nous, bon Dieu, servi, pour nous capables d'aider et supporter. Donc, nous encourageons et nous espérons que nous ne pas tellement parler en pile pour ça parce que vous êtes averti. Pas vrai? Et il y a un poète qui dit que malheur averti, ça le fait? Oui, ça. Non, malheur averti, il faut préparer. Pas vrai? Nous t'es annoncé pour être capable de préparer pour porter qui choye. Donc, nous prenons crédit 4, si vous n'avez pas de cash, vous mettez le crédit 4 là, seulement à ce que vous voulez faire de tout cœur pour supporter, et nous prenons ce crédit 4 juste pour être capable de supporter bien aimé ça à la gloire du Seigneur. Et faites ça pendant que nous avons chanté. Seul moi qui connais, vous qui. M'applouez seul moi qui connaît pour qui m'applouez les moins songer côté m'teye oh Jésus sauvé les merveilleux. Les moins songer côté m'teye, oh, li transformé, li merveille. Les moins songer côté m'teye, oh, Jésus sauvé, li merveille. Les moins songer côté m'teye, oh, li transformé. Merveilleux. Moi, il y a un monde qui va lever. Excusez-moi si me dit ça. Malgré moi, en face, non capable de dire presque le monde. Mais moi, il y a un monde qui va lever. Moi, il y a un monde qui va lever. Nous te disons que nous avons fait une offrande aujourd'hui pour supporter nos frères et sœurs. Qui a une famille qui est frappée par un tremblement de terre, qui était frappée spécialement en zone sud pays, nous, le 14 août dernier.
C'est pour ça que tu dis n'a fait. Et on te dit amen. C'est pour te venir dans oreille moi dit pasteur pas fait bagaille comme ça parce que le pas dans mission non. Et si ou quel dans mission, c'est pour supporter à la gloire du Seigneur. C'est nous chanter, les sœurs nous ont chanté cantique ça. Ou chanter la veille. Jésus te confie une œuvre d'amour utile et bénie jusqu'à son retour. Vous chantez, c'est un saint de tâche, vêtu l'accomplir, pour luire sans relâche, et sans jamais faiblir. Et le frère dit, prie, agis, jour après jour, pas seulement prier, mais agis. Amen. Nous espérons que nous va faire cœur fâché, nous seulement te voulons dire en vérité. Donc, bien-aimés servantes, nous allons mettre à l'chita et nous allons les bails à l'autre là déjà. Et j'espère que à la fin, vous êtes capables de faire un rapport pour nous capables de connaître exactement combien bien-aimés ont contribué pour supporter nos frères et sœurs qui sont affectés par le tremblement de terre. Parce que, pas oublier, vous êtes capables de parmi ça autour qui. Et peut-être même passer par la mort, ou bien un cas écrasé, côté que ou abdomen en serein. Mais bon Dieu, fort grâce. Et ça que fait nous, il y a raison pour nous chanter, même s'il n'est pas merveilleux pour tout le monde, mais pour nous le merveilleux. Parce que m'te ka Haïti, m'te ka en bas tante, ou bien, capable même un moyen pour m'acheter tante là. Mais bon Dieu, fait nous grâce. Nous avons raison pour nous, non seulement bali gloire, mais pour nous penser à l'autre monde. Amen. Ok, donc on a demandé vous continuer à prier pour notre 25e anniversaire. Et semaine ça, alors, va gain, alors c'est pas une semaine spéciale, il va en précéder en, d'une semaine de conférence autour du thème « La fidélité éternelle des dieux » tiré du livre des psaumes, chapitre 100, verset 5. Et comme ça, nous encourageons à ce que et vous capables et non seulement prier et inviter en tout bien-aimé que vous venez sur ce chemin et faire vous connaître sa capable pas bon ici de manière à ce que vous capables rejoindre nous et pour une voix avec nous pour capable et glorifier le Seigneur. Et chaque soir, nous va réunir à 6h30 pour nous continuer et commencer à adorer bon Dieu jusqu'à 9h pour dire bon Dieu merci pour ça le fait. Et dans la vie, ça va continuer fait, bien sûr. Et nous gagnons quelques bien-aimés tout qui a célébré l'anniversaire. Et pendant moi ça, et nous avons demandé pour unir avec nous, pour souhaiter yo happy birthday. Nous avons demandé pour en prier et souhaiter également à notre évangéliste Jackson Semé, comme on connaît qui part avec nous jeudi, hein, parce qu'il y a un process moving. Et prier. Pour la sœur Darlene, et nous pas gagné l'Islande avec nous, de bien-aimés qui a célébré yo, mais ou même, si nous pas fait mention de nom, pas fâché avec nous, nous souhaitons bonne fête à la gloire du Seigneur. Happy birthday to you, all of you. Happy birthday to you. Happy birthday to all of you. Happy birthday to you. Amen. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce. Nous glorifions encore une fois. Est-ce que les fidèles envers nous et ceci n'est pas jamais fait nos défauts et gon texte chanté depuis me rencontrer là et la marché avec donc bon Dieu pas jamais la game yon jour et sous quoi ça et n'a pas invité ou en frappé main pour acclamer le Père le Fils et le Saint-Esprit de Dieu donc nous bénissons bon Dieu pour fidélité envers nous. Or, est-ce que jour après jour, il manifeste grâce et compassion et envers nous, envers chaque membre en famille, nous, et envers l'Église que le placé ici depuis 25 ans. Donc, nous allons engager, vous nous dire bon Dieu merci.
et vous ça le fait pour nous et ça l'a continué fait pour nous. Therefore, on reach the time where we're going to share the word of God, but nous voulons encore une fois rappeler en chacun de vous qui fait partie de chiffre l'église là en noté annoncé depuis dimanche passé nous avons gagné réunion après le service, mais nous sommes obligés de postponer réunion ça par rapport à un moment et cyclone qui était annoncé en dimanche dernier. Donc, il y a un peu de roues qui étaient présents. Donc, nous allons réunion ça jeudi après le service. Nous espérons que nous n'avons pas qu'un beau trop long et pour que nous soyons capables de gagner assez de temps pour nous élaborer autour des points de manière à ce que vous-même qui pour le travail, vous capable en mesure pour arriver à l'heure. Donc, nous ferons dans la parole de Dieu ce matin, qui c'est la partie essentielle du service. Lorsque nous réunis pour adorer bon Dieu, pour glorifier le Seigneur, bien sûr, il a dans sa providence, eh bien, la provision qu'il fait pour nous de manière pour capable tendre des voiles qu'à parler avec vous. Donc, ce matin, nous inviterons, on va ouvrir avec nous et votre Bible dans l'Évangile de Marc, chapitre 13, et nous va lire pour vous du verset 1er jusqu'au verset 13 à la gloire du Seigneur. Et nous va lire en anglais quelques versets de ce passage, mais par le tour, juste pour nous capables de gagner du temps. Et le Gospel of Mark, en chapitre 13, from verse 1 to 13. L'Évangile de Marc. L'Évangile de Marc. Donc, c'est là que nous allons partager avec vous la parole de Dieu. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde en quelle pierre et quelle construction. » Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se souleveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. If you don't mind, stand up for the little while, so let me read
verse 1 to 5 in English. Still in Mark chapter 13, verse 1 to 5. As Jesus was leaving the temple, one of his disciples said to him, "Look, teacher, what massive stones, what magnificent buildings. Do you see all these great buildings?" Replied Jesus, "Not one stone here will be left on another. Every one will be thrown down." As Jesus was sitting on the mountain of Olives opposite the temple, Peter, James, John, and Andrew asked him privately, "Tell us, when will these things happen? And what will be the sign that they are all about to be fulfilled?" Jesus said to them, "Watch out that no one deceives you. Many will come in my name, claiming I am he, and will deceive many." Word of God. Merci. Parole. O se lamp kap kleri pie, o se lu miye so, wot mwen. Pa wola, o se lamp kap kleri pie, o se lu miye so. Voûte-moi. Cher Seigneur, Papa, qui est dans le ciel, là, bon, il est en référence Jésus-Christ. Humblement, nous approcher encore une fois devant Majesté au Seigneur. Pour venir nous remercier au Père de gloire d'être que dans l'amour, dans la bonté, ou t'es rendu possible que un peu pour t'es capable de faire des placements ce matin pour venir bon gloire, venir adorer, venir exalter non au Seigneur. Et merci d'être que t'es en mesure pour adorer, non seulement avec nous, avec l'œuvre nous, l'esprit nous, penser nous, Seigneur, mais également avec l'argent qu'on ban nous. Dans bonté infinie, on a prié au supplé, dans justice au Seigneur, que on va bénir chaque main qui t'est contribué. Et bénis le Père, le peu que tu ramassé, Seigneur. Père, oh Dieu, que le capable servir, oh, à l'avancement de ton royaume, en juste pour la gloire de ton nom. Comme ça, nous vivons juste un moment, Seigneur, nous pourrons le partager, nous pourrons le temps des voix, à travers canal serviteur, il pourra le parler, Seigneur. La prière supplie, Papa, que va de bâtir nous, oh, de l'homme charnel, mais t'en prie, investis puissance par nom non et parler au Éternel des armées, ô cher Seigneur, qu'on s'appelle pour servant ou serviteur à coûter, et car on nous connaît lorsque vous parlez, Seigneur, tu as une raison de parler, et chaque fois, Éternel, que bouche ouvre ou qu'on moune, qu'on veut communiquer une parole et un message, qu'on s'aime compter sous grâce, ou espérant qu'on va faire pour nous, s'il vous plaît. Au-delà de mérite, non. Papa, ces prières, ces faveurs, ces grâces que demander, nous pas prier parce que nous bons ou bien nous dire, mais nous t'en prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Encore une fois, bon Dieu béni. Amen. Donc, je me rappelle au début de ce mois, jeudi à ce dernier dimanche du mois d'août, qui a terminé, et dans seulement trois jours encore, ou du moins deux jours. Et depuis ce mois, nous entérons avec vous comme sujet, où cherchez-vous le bonheur? Qui côté va chercher un bonheur? Et yon bagay que tout le monde à la recherche. Mais malheureusement, le grand problème, c'est que l'homme gagne difficulté eh bien, à comprendre que le vrai bonheur ne peut trouver nulle part ou bien ailleurs, sinon qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Et enfin, vu à un témoignage que nous gagnons, et nous pas besoin de faire gros recherches, nous pas besoin en quelque sorte être de grands théologiens, de grands scientistes pour capable arriver et bien comprendre ça qu'a arrivé
et de nos jours à travers le monde et seulement en sous ta fond coup d'œil et même la caille nous en Haïti soit le 12 janvier 2010 ou bien le 3 octobre 2016 et même récemment le 14 août 2021. Donc, on va réaliser que les biens matériels ne sont pas le vrai bonheur. Donc, le bien matériel, c'est pas eux-mêmes qui vrai bonheur. Parce que dans quelques secondes, on est capable de perdre tout ça côté gagnant. Et il était rapporté que le 12 janvier 2010, et tout ça que tu as fait, tout dégât que tu as fait, non seulement 35 secondes. Donc, on est capable de comprendre, et on même parlé, non seulement gagner des milliers de cailles qui écrasaient, mais la vie humaine, tu as environ près de 300 000 personnes qui connaissent la mort. Donc, ça montrait que, eh bien, comment, et au besoin de comprendre, comme servante, serviteur de Dieu, bonheur, n'est pas non seulement ici-bas, mais également, n'est pas dans sa cour possible. Donc, on mette gagné le monde entier et appartenir à eux-mêmes. Et ça, il n'y a pas de vrai trésor qu'on a besoin de gagner. Au besoin, eh bien, en gagnant un trésor, côté que, eh bien, et cyclone, papa, faut-il aller? Tremblement de terre, papa, faut-il aller? Et voler, papa, capable. Emporter. Et la Bible dit que monde qui est intelligent, eh bien, il est rassuré qu'il y a un trésor qui dans le ciel, ce trésor qui est durable, il y a un trésor qui pas jamais pas exister encore. Il y a un auteur qui chantait, il dit que le monde c'est pas la caille moins, dans le ciel l'âme pour aller. Alléluia. Il dit trésor moins à que moins en haut il est tout fixé et moins tendez les anges là qu'après les moins. En le yard, donc moi pas capable de sentir moi trop à l'aise ici bas. Donc au besoin chaque jour réaliser que eh bien un trésor demeure et caillou n'est pas sous terre parce que Christ dit dans Jean chapitre 14 que m'pral préparer une place pour vous et place ça c'est pour moi avoir et côté le vaillir c'est là. Et nous va y tout. Et c'est vrai que le Seigneur permet que nous sommes capables de posséder un pile bien matériel et lorsque le voulait. Mais pas jamais croire que bien matériel qu'on gagne, eh bien, il est capable de servir de bonheur ou bien il est aussi de trésor pour vous. Donc ce matin, nous voulons partager avec vous comme sujet l'heure du réveil. À la lumière de ce passage, et nous voulons voir avec vous l'heure du réveil. Donc c'est l'heure de réveiller, l'heure de réveiller. Donc, je veux dire un nom. Vous avec vous en certaines prophéties que Jésus-Christ en lui-même, eh bien, il était prophétisé au cours de son ministère terrestre. Quelques prophéties que Jésus-Christ, eh bien, il était prophétisé. Et il y a parmi eux qui déjà accompli, bien sûr, et lorsqu'il parlait, eh bien, et de temple qui était construit et dans l'année, je crois, et 30 ans avant même Jésus-Christ, et qui t'a après le détruit plus tard et par les Romains lorsque ça a été envahi en Jérusalem. Donc il y a un pile prophétie qui t'est annoncé déjà accompli et gagné qui en cours journée aujourd'hui et gagné à vivre journée aujourd'hui et gagné bien sûr qui pourra l'accomplir bientôt gagné pourra l'accomplir. Donc ça veut dire que c'est l'heure de vous réveiller. Et lorsqu'on parle de réveiller, c'est pas du sommeil normal. Lorsque vous allez dormir à 10h du soir, eh bien, toujours réveillé pour la grâce du Seigneur le matin. Donc, ici, nous voulons parler de réveil spirituel. C'est l'heure de vous réveiller parce que tout ça que t'es annoncé, yo déjà presque fin accompli.
Il s'agit tout simplement du retour du Seigneur, donc qui pour qu'on fête. Donc, et ceci, nous parlons ouais, avec vous. Donc, pas mal, et non seulement prophétie et que nous ouais déjà, et prophétie qui, eh bien, presque prend place. Et dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, et dans verset 14 à 15, Jésus-Christ, alors la parole de Dieu, on parle dit non, sous l'inspiration divine, et l'apôtre Paul, lui parle parler aux chrétiens d'Éphèse pour dire réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Donc, ou même qui a dormi, réveillé. Et la Bible considère que monde qui a vécu dans le péché, comme monde qui a mouru, qui mourit, et bien qui a dormi parmi les morts. Donc, lorsque on mourit spirituellement, ça veut dire que tout ça ou a fait, qui pas fait bon Dieu plaisir, ça pas dit ou rien, ou sentir normal pour fonctionner dans le péché, n'importe qui le, n'importe qui occasion. Et la parole de Dieu montre-nous que nous sommes à la fin de toutes choses et c'est le moment donc de vous réveiller. Et dans également et Romains en chapitre en 13 verset 11 et verset 12 et l'apôtre Paul il parle dit non, cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps que nous sommes. Il est important, eh bien, de réaliser dans qui temps que nous avons vécu, qui le, eh bien, que lié dans la vie, nous, en tant que chrétiens, et par rapport à ça qui était annoncé. Et le Paul dit, c'est l'heure de vous réveiller. Romains, chapitre 13, verset 11. C'est l'heure de vous réveiller, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc, maintenant, le salut est plus près de nous que l'un des faits convertis. L'un des convertis, oui, et nous fait connaître que nous croyons en Jésus, il était mort et pour nous sur le bois du calvaire. Il promet qu'il va retourner. Mais ici, eh bien, à l'heure que nous vivons, donc, nous sommes capables d'arriver à réaliser, eh bien, son retour, non seulement est imminent, mais il n'est pas trop loin. Et ceci, son retour physique, comme nous dit la parole de Dieu. Donc, l'important pour capable prendre garde de vous conduire avec en circonscription, nous dit la parole de Dieu. Donc, de marcher, et bien, de façon qui convenable devant le Seigneur, de vivre, et bien, pour la gloire de Dieu. Et non comme des insensés, mais bien sûr, comme des personnes sages, des serviteurs. Et des servantes et serviteurs, donc qui, eh bien, croient dans bon Dieu et qui voulaient vivre dans la crainte du Seigneur, parce que l'heure nous demande. Et Paul Pral dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons et des âmes de la lumière. Revêtons des âmes de la lumière. Donc, âmes de la lumière, donc c'est la parole de Dieu, car dans le livre de Pierre de Paul, en Éphésiens chapitre 6, eh bien, Paul dit que, eh bien, en l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, ils sont âmes que liées, et pour permettre que nous capables et remporter la victoire, pour nous capables des chrétiens qui ferment, chrétiens qui authentiques, chrétiens qui connent la parole, chrétiens qui peuvent détourner, qui peuvent dévier par n'importe qui vend. Amen. Donc, au besoin qu'on a la parole de Dieu. Et ce passage, il enseigne nous que Jésus, eh bien, était dans le temple avec un disciple. Et bien sûr que tu as passé un moment dans la prière parce que Christ est toujours consacré tant à prier le Seigneur. Ils comprennent que la relation avec bon Dieu, papa, l'imandé, il faut toujours à prier. Il te remet naturellement passer tant dans l'enseignement avec un disciple. Donc pendant que, eh bien, il est dans le temple, donc il prend le sorti qui était temple, eh bien, l'arrivée de Yo.
Donc, monsieur Yo, qui était attiré et par la beauté du temple, qui était réellement belle, parce que l'histoire nous rapporte à l'époque de ce temple, eh bien, c'est un building qui a été la plus impressionnante du monde. Il était très attirant. Donc, de pouvoir passer devant le temple, donc, faut prendre temps pour camper, garder là. Ainsi que, et Jésus-Christ, dans le verset 3, et l'Ipral, alors, avant même et que l'y arrivait dans le verset 3 et dans le verset 2, l'Ipral répond, monsieur Yo, et pour le dire, vois-tu, en ces grandes constructions. Donc, au cas comprendre, c'était réellement une en belle et grande construction. L'Ipral dit que il ne restera pas pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Je vous avais dit que building ça ouéa, ou pas besoin d'inquiéter, tout à l'heure, pour le renverser. Donc c'était une prophétie vous montrer monsieur Yo. Donc c'est pas eh bien un building ça et en un mot qui temple du Seigneur, mais c'est ou même qui temple le Seigneur parce que ou même au pape est détruit d'ailleurs parce que bon Dieu l'y habitait dans ou même. C'est vrai que notre corps physique quand quelque à un certain moment est capable d'arriver en l'heure que corps a détruit, mais vous reste et demeure le temple du Seigneur. Et ça fait que Paul est inspiré de Dieu, l'Ipoual est enseigné nous dans un épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16. L'Ipoual dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu l'y habite dans ou même. Et c'est ça où il est, mes bien-aimés. Donc, c'est pas en building ça qui l'église là, mais c'est ou même. Parce que n'importe qui le building ça capable de craser. Et il a annoncé ou bien rapporté dans la nouvelle, eh bien, après ce tragique tremblement de terre qui passait le 14 août en dernier, il a parlé de des centaines de buildings, eh bien, que monde qu'on adorait bon Dieu, qui craser, qui détruit. Donc, au cas imaginer, eh bien, si building, eh bien, c'est yo qui était réellement temple du Seigneur. Donc, lorsque, eh bien, bagaille ça a passé, dans les mondes de terre, eh bien, moun pas la pka adorer bon Dieu encore. Donc, building crasé, building détruit, mais nous still qu'à adorer bon Dieu. Amen. La raison, parce que c'est nous-mêmes qui, c'est temple du Seigneur. Donc, dans le verset 3, et Jésus pourra le retrouver lui maintenant, eh bien, sur le mont. En Olivier. Donc, là encore, eh bien, par leur curiosité, et monsieur Yo, il pourra le poser, eh bien, deux questions à Jésus-Christ, que nous pourrons le avec vous dans le verset, et dans le verset 3 et 4, et même le verset 5. Et il s'assit sur la montagne des Oliviers, en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier en cette question. Donc, qui question que monsieur a été fait? Donc, c'est pour dire nous, eh bien, qui le bagaille ça y a privé et à quel signe n'a pas capable de reconnaître. La paix, bon Dieu, à vous. Et vous t'as posé question ça tout, parce que, au curieux en pile, et d'ailleurs, c'est la nature humaine, nous sommes curieux. Il y a des bagailles au monde dire, et certainement poser la question pour demander qui le bagaille ça y a privé. Parce que des bâtiments, là, regardez, gens bien présentés, gens solides, eh bien, pour un homme déclarer que, ou pas besoin d'inquiéter, ou bientôt, eh bien, le bras le tomber. Donc, faut insister pour demander qui le bagaille ça y a fait. Et Jésus-Christ, il pourrait répondre dans le verset 5. Quand Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Ça fait bon Dieu à vous. Il pourrait dire, prenez garde, pas quitter aucun monde séduire. Et parce que il pourrait montrer nous que et parmi tous signes, eh bien, qui pourrait venir à la fin, eh bien, des temps, la séduction, c'est premier signe qui pral vini. Et nous pral ouais avec vous ce matin. Et c'est quoi la séduction? Et lorsque au fond coup d'œil dans Matthieu chapitre 24, eh bien, nous joignons à travers ce passage en trois reprises. Et dans son enseignement concernant séduction,
comme un signe qui est plus important. Donc Jésus lui parlait encore et bien concernant et ça pour arriver dans verset 4 et 5, il dit prenez garde que personne ne vous séduise car plusieurs viendront en sous mon nom. Donc il y a un pile monde qui a venu sous nom Christ et y a venu et bien puis on dit c'est moi-même même qui Jésus a, c'est moi-même même qui Messie a. Donc ça yo fait déjà et yo continue à faire un peu partout. Il y a un pile monde qui voulait remplacer bon Dieu et bien il dit c'est eux-mêmes qui Messie a. Question nom y a dit que Jésus a nom ça li pas en Messie, li pas bon Dieu, pas Jésus. Donc c'est moi-même qui Messie. Donc ça au fait déjà. Il pral dit également et non seulement c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Donc il y a un pile monde et bien qui a fini et par séduire et au verset 11 toujours dans l'évangile de Matthieu et il pral parler ainsi et dans ce même chapitre qui est le chapitre 24, il pral dit plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Donc obligé gagne un pile monde qui a venu il y a dit c'est vrai prophète il va séduire un pile monde et n'a vu ça même la caïno et qu'on y a la sous t'a compté en Haïti et bien on t'a un pile prophète gagne dit monde pral mourir gagne dit monde pral fête gagne dit et bien et pas gagne président encore c'est reine qui a gagné c'est roi qui a gagné. Donc un pile faux prophète. Donc ça aussi signe qui montre eh bien et Christ lit pas loin pour lui retourner et dans le verset 24 et nous joignent encore et dans chapitre 24 évangile de Matthieu car il s'élevera de faux Christ et de faux prophètes ils feront de grands prodiges et des miracles. On va saisir pour voir que eh bien comment l'homme a en mesure pour y faire et naturellement de faux miracles. Elle était qu'on fait déjà lorsque son l'histoire de Moïse eh bien avec couleuvre et pharaon etc et comment ça t'est arrivé et nous voyons dans le livre des Actes eh bien des magiciens eh bien qui t'ai fait comprendre qu'ils étaient serviteurs de Dieu et ça Paul fait il au café tout etc. Donc la Bible dit que lorsque ouest bagage ça yo faut prudent, pour les yeux calés, et parce que ça y est, c'est instrument que le diable a utilisé pour capable séduire, pour détourner dans la voie de servir le Seigneur. Et donc, séduction. Et naturellement, on les définit et comme le fruit de la tentation. En séduction, on les gagne comme objectif là, pour détourner le monde qui a servi bon Dieu dans la voie du salut. Donc c'est ça que séduction. Séduction gagne pour objectif et non seulement pour conduire eh bien vers la désobéissance à Dieu, mais également pour attirer nous, eh bien, vers Sila, eh bien, qui sait en mettre la séduction, qui sait auteur de la séduction, qui sait, eh bien, en Satan, en le diable. Et ça fait que l'important, eh bien, pour capable comprendre, en tant que servante bon Dieu, serviteur de Dieu, vous besoin de gagner un esprit du cerveau pour capable comprendre, eh bien, la voix où va parler, est-ce que la voix de Dieu qui parle vrai, ou bien c'est ennemi qui parlait à travers ses serviteurs. Vous songez lorsque eh bien le diable te prend direction jardin d'Éden pour la séduire et Adam avec Ève. Donc lui employé et sacrilé et yon tromperie m capable dire même qui plaît à monsieur Damio ou alors on a fait mentir eh bien lui ranger mensonge là en façon pour capable attirer au vers mensonge là pour capable fort comprendre et c'est vérité là-bas où donc ou même qui pas connaît la parole ou même qui pas un chrétien authentique donc c'est facile ou capable de détruire la voix du Seigneur et lorsque au fond coup d'œil et dans Genèse chapitre 3 je crois et au verset en premier
Allons prendre d'ailleurs le verset 4 pour gagner du temps. Alors le serpent dit à la femme, et vous ne mourrez point, et vous ne mourrez point. Donc depuis longtemps, l'homme pas de jambes mais la mort. Et donc ennemi, il connaît ça très bien. Il pourra le montrer eh bien à Ève que la raison pourquoi qu'il va besoin manger fruits, hein, parce que c'est un avantage pour lui, c'est un bénéfice. Il pourra gagner la vie. Mais Dieu, il connaît eh bien le jour qu'on mange, les yeux appauvris. Donc Satan tellement intelligent, eh bien il montre à Ève ce qu'on appelle l'omni science de Dieu, donc à savoir son bon Dieu contre toute bagaille. Et lorsque Ève tendit parole ça, donc il commençait et bien pour obéir à la voix du diable. Et dans le verset 6, et la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Donc c'est ça ennemi à faire, oui. Tout ça que l'a montré, eh bien limitez en façon pour capable faire yeux Chanel, ouais, c'est belle bagaille, c'est bon bagaille. Lorsqu'on fait, eh bien pas rien de mal qui pourrait arriver. Donc mais ou même qui faible, eh bien dans la parole de Dieu qui pourrait obéir et finalement eh bien on pourrait perdu la relation côté gagné avec bon Dieu. Et ça fait l'important, eh bien pour capable comprendre eh bien et pour capable rester veillatif parce que ennemi lit à l'œuvre. Et au verset 13 nous joignent que à travers toujours le livre de la Genèse eh bien Dieu lui pral questionner Ève et pour lui demander ça qu'a passé côté 10 ans de gagner côté sam de nous faire etc. Et nous joignent Ève et lui pral répondre eh bien le serpent m'a séduite, le serpent m'a séduite. Donc nous voulons dire au matin faut qu'on veatif, faut qu'on prudent parce que l'ennemi il est à l'œuvre. Et c'est la raison pourquoi l'apôtre Paul enseigne le deuxième et Pitre écrit de Corinthiens dans chapitre 11 au verset 3 et 4. Libra dit toutefois de même que le serpent en séduisit Ève par sa ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, certaines fois, pensez-nous, lorsqu'on lit un gros livre, on tellement senti qu'on a en pile connaissance, et on voulait et laisser et la voix du Seigneur. Dernièrement, tu as parlé avec un camarade qui dit, moi-même, pas quoi dans la Bible encore. La Bible, c'est l'homme qui t'a écrit. Donc, il devenir, eh bien, sacré, un athée qui croit dans tête-lit. Donc, il pas quoi encore dans la parole de Dieu. Donc, ça c'est eh bien moun qui devenir eh bien et avoir ce qu'on appelle des pensées et corrompt parce que des pensées qui a détourné de la voie du Seigneur. Donc chers amis dans le Seigneur, en séduction, en lycée on fait qui constant dans l'histoire du monde, l'irréel dans l'histoire du monde et l'était existé et dans la vie du peuple Israël, il existait jeudi dans l'église parce que Satan le diable il a travaillé, il dit que le pape bonon break, il a attaqué nous jusqu'à la porte du ciel et il servit par tous les moyens de manière que le capable de séduire et bien des serviteurs des servantes de Dieu. Donc ce matin quickly le pour nous voir avec vous et bien en la séduction et en trois niveaux et pour nous capable terminer avec vous et en séduction et naturellement la séduction du péché. Donc l'isséyoun eh bien en premier nous capable dit élément que ennemi lui servit avec lui eh bien pour le capable en séduire, pour le capable dévier dans la voie de servir le Seigneur. Et c'est qui ça qui séduction du péché? Donc c'est le plaisir naturellement eh bien que produit le péché. Et n'a bien dire au matin nous quoi qu'on connaît déjà. Donc lorsque ou eh bien la guerre ou non péché et ennemi, lui fait comprendre chaque jour dans la vie comment péché a douce, comment pas vivre sans lui-même, parce que l'offrir au plaisir, plaisir après plaisir. Donc ça vient de faire que, eh bien, même Jean dit que lorsque au monde lui prend drogue, ou bien lui en remet une boîte à fier en pile, lui vient sacrer le monde et qui, en quelque sorte, qui en séduire, ou du moins sans qui, et
bon thème que ils ont employé dans le monde, et bien qui addicté avec ça que la faire. Donc ces mêmes gens, et bien lorsque on vit dans le péché, on vient tellement addicté avec plaisir, et bien il y a pile fois et que le fille ou garçon, et bien qui dans situation ça, il fait en pile bagaille pour augmenter soit à force li, à capacité li, pour le cas en mesure pour le bail tête li plaisir. Donc c'est bien malheureux lorsqu'on atteint ces deux dimensions où son monde qui est loin de Dieu parce que on marche vers la séduction en du péché. Et ça que fait Paul alors dans l'épître aux Hébreux chapitre 3 verset 13, eh bien en auteur pour l'exhorter, non pour le dire, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucune de vous ne s'endurcisse par la séduction. Donc chaque chrétien, chaque serviteur, c'est votre bon Dieu, ou responsable pour exhorter aux frères, pour exhorter aux sœurs, lorsque la vie que la menée, le contraire à volonté, bon Dieu. Avec mon Dieu à vous. Moi, figure un petit Jean, vous pas non? Son devoir pour vous, ou responsable, parce que lorsque le monde les séduit par le péché et finalement les désorienté, il n'est pas dans la voie du salut, il n'est pas dans la voie de servir le Seigneur, la ville pour être misérable, parce que chaque fois on est détourné dans la voie du Seigneur, et la Bible dit que lorsque ce monde qui a vivre dans le péché, eh bien résultat, un fruit qu'on pourra le gagner, donc c'est l'enfer, la mort éternelle. Mais lorsque vous vivre, vous voulez faire bon Dieu plaisir. Donc, comme vous pouvez le recueillir, c'est la vie éternelle. Parce que vous avez une relation avec bon Dieu, vous avez demeurer amis bon Dieu. Et ça veut dire que c'est mon cap tendé. Et bien, la trompette là va sonner. Et bien, vous êtes capable d'enlever à vivre avec Christ dans la gloire éternelle. Et Pierre, également, dans le deuxième épître, il pourra le montrer. Et bien, et la convoitise des yeux, et ça a contribué en pile dans la séduction. Que Dieu, ouais, eh bien, si vous n'avez pas gagné maîtrise de soi, si vous n'avez pas gagné esprit de la vie ou qui pour contrôler, donc c'est pour commencer maintenant vers la séduction. Et il y a deuxièmement la séduction du monde, qui c'est le plaisir, les philosophies du monde, et c'est les conceptions de la vie. Donc ça y est également, eh bien, ils permettent que ou dérouter, ou séduire, ou laisser la voix du Seigneur. Et Paul pourra l'enseigner dans l'épître qu'il écrit aux chrétiens de Colosse chapitre 2 au verset 8 pour dire fais attention pour ne pas quitter personne trompé nous dans bel discours philosophio avec bel discours qui pas vaut en rien parce que les hommes et n'a du connait jodi a yo très entraîné pour ça et c'est travail yo qui a fait parce que yo gon boss qui mettait pour yo faire ça de manière que ou même et comme servante serviteur de Dieu et bien qui naturellement la voix du Seigneur est pour capable d'écouter parce que ennemi il était l'est dans cela avec bon Dieu, lui connaît bien sûr, ça réservé pour moi avant, c'est la raison pourquoi la travaille d'arrache-pied pour capable pas héritier ciel là, et ça que fait Paul pour le dire ça dans Épître aux chrétiens de Rome, chapitre 12, dans le verset 2, Paul pour le dire, ne vous conformez pas au siècle présent, amen, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, il faut que chaque jour, en l'esprit, nous, on l'y a régénéré, nous a renouvelé pour nous attacher, nous, à bon Dieu. Parce que siècle présent, ça, ça n'a vivre chaque jour. C'est l'abomination, c'est le péché. Donc, c'est tout ça qui est capable de détourner nous dans la voie du Seigneur. Et dans 1 Timothée 5, verset 6, et Paul pral dit à Timothée, mais seul qui vit dans les plaisirs est mort. Croit que vivante. Donc, ou capable ou moun, apparemment, l'a marché, apparemment, l'a souri, apparemment, l'a vie dans lui-même, mais si l'a vivre dans plaisir, monde là, ils sont moun qui mourir. La paix, bon Dieu. Il a bien habillé, c'est vrai, mais c'est un monde qui mourit spirituellement parce qu'il est dans le plaisir du monde. Pour nous, les chrétiens, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de plaisir, pas nous, non, mais plaisir qui fait bon Dieu.
plaisir. Amen. Qui glorifie le Seigneur. Donc, pas de problème. Et au marié, au gain madame, au cas prend plaisir avec elle. Et d'ailleurs, proverbe a pensé nous ça. Il dit, jeune gens et jeune fille, prend plaisir, non. Prend plaisir, non. Mais pas prendre de manière pour non, bon Dieu, pas glorifier. C'est pas dans le péché, mais c'est dans la voie, eh bien, du Seigneur. Façon que fait bon Dieu un plaisir. Donc, joigne en troisième séduction, et bien que c'est séduction des hommes, et qui s'allient, donc c'est raisonnement humain, et bien dans le domaine en spirituel. Donc il y a un pile sec de Yoa, il y a un pile son carrelé en religion ou d'autres, et bien il y a gagné, et bien des pensées, et il y a gagné une façon, puis il y a capable de convaincre monde qui a servi mon Dieu, pour capable même séduire, pour détourner dans la voie du Seigneur. Et quelqu'un qui fait comprendre, eh bien, et la terre, bientôt, il va le changer, il va le transformer. Donc, tout ça que sous terre, il va le rester pour vous. Donc, il va encourager, ou mettre à accumuler richesse sur richesse, pas aucun problème, parce que c'est pour vous, il va lier, t'aller comme ça. Donc, ça, c'est des hommes, eh bien, que l'ennemi hein, a utilisé pour capable détourner dans la voie du Seigneur. Et il y a un pile tout, et bien, qui est dans la façon que vous fonctionnez, vous enseignez, vous devez marier deux fois, trois fois, quatre fois, et bien, des pauvres n'y va pas ici, nous baptiser, donc tout péché effacé, vous mettez remarié encore, ou pral dans le ciel. Et la Bible dit que, et bien, des pauvres mariés ou divorcés, donc ou à vivre dans le péché, donc si Christ a retourné, ou pape sauvé. Amen. Il a fait bon Dieu avoir. Oui. Donc, pour capable sauver, pour capable, eh bien, retenir la voix du Seigneur, il faut qu'on gagne la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la Bible enseigne nous, à travers plusieurs passages, eh bien, par des signes qui montraient nous lorsque, eh bien, le Seigneur lit à la porte. Et donc, signe ça, eh bien, montraient nous que Jésus-Christ lit presque retourné. Et la séduction, eh bien, c'est le premier signe que bon Dieu lui montre nous pour nous capables de veiller, pour nous faire attention, pour nous être prudents, parce que ça y est déjà arrivé, et les hommes ou bien l'ennemi, donc il y a un pile tactique de manière, eh bien, pour capable détourner, pour capable séduire, pour capable perdre ça, bon Dieu, lui réserver pour vous, et nous te montrer en trois étapes de séduction. Donc, première étape là, eh bien, c'est le péché. Donc, le péché, c'est un élément ou bien ingrédient ou bien âme que l'ennemi en servit pour capable séduire, parce que un plaisir du péché tellement douce, et depuis où la donne, et bien, de temps en temps, ennemi, et bien, lui enseigner qu'on a besoin d'avancer plus la donne parce que douce, parce que lorsque, et bien, et mener vie ça, ou bien, un objectif qui c'est satisfaire désir chanel ou ennemi en connaissant. Tout. Donc, lui encourager, lui permettre que, eh bien, ça va faire, eh bien, tellement faire du bien. Donc, ou même, ou laisser ou avancer, ou laisser ou aventurer. Et il y a également la séduction du monde. Et ça fait qu'il y a besoin de prudence avec le monde. Et la Bible va lancer nous dans 1 Jean 2, verset 15 et 14, 15. Il va dire, petits enfants, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Donc ça dans mon Dieu, donc souvent yo convoité, et lorsque tellement et bien et abdominé par yo même, et finalement et on pral faire yo servir bon Dieu, et bien on pral mettre yo en premier dans votre vie, et ça pral permettre que relation gain avec bon Dieu pral diminuer. Et enfin, faut prudent et en part des hommes intellectuels sur le plan spirituel, et bien qui pourra le montrer, et il a fait déjà que Jésus-Christ n'est pas bon Dieu, donc ils sont dit Dieu petit, et c'est bon Dieu, et Dieu le Père seulement, bon Dieu, et qui pourra le montrer, ou mettre à accumuler richesse, ou pas besoin d'être raison dans le ciel, parce que ça sous terre, il y aura le rété pour vous, et la Bible enseigne, et
très homme, c'est en l'aile, parce que de même pas ici-bas, monsieur voyageur, monsieur passager sous terre ça. Donc l'heure a pas loin pour le river, et bien pour aller dans demeure que Christ a préparé pour moi. Chers amis dans le Seigneur, nous encourager pour capable prudent et comme la Bible nous enseigne et dans au verset 23 en chapitre 13, évangile de Marc, eh bien, la Bible pourra le dire, soyez sur vos gardes, je vous ai annoncé d'avance, soyez avertis, parce que l'heure est au réveil, l'heure est au réveil, chers amis dans le Seigneur, l'heure est au réveil, par contre, qui vit que vous menez, par contre, si vous laissez au séduit déjà, eh bien, par les séducteurs, ça, qui gagne une mission, et comme nous enseigne, le verset 4-5 de Marc chapitre 13, et l'a séduit en pile monde, en pile monde, en pile monde. Rassurez-vous qu'au pas parmi ça, qui pourra le séduire, parce que toutes les prophéties, eh bien, qui étaient annoncées, qu'il y a en pile qui arrivait déjà, nous déjà à vivre tremblement de terre, nous à vivre la guerre, et si vous faites nouvelle maintenant, à travers le monde, ou après comment le monde est bouleversé, la guerre par-ci par-là, on était par-ci par-là, et bien petite, et par en harmonie encore avec parents, yo, et parents, par en harmonie avec petite. Jésus-Christ a dit que lorsqu'on va, ouais, et bien ça, yo, c'est signe qui montrait que pas loin retourner. Mais pas oublier, il a dit que il faut que la parole de Dieu annoncée, et bien à toutes les nations, et tout ça, on a déjà fait, par un côté à travers le monde, il est capable de dire qu'on y a, pas attendre l'évangile, y'a qu'à dans la rébellion, y'a fait incrédule, mais tout le monde connaît que Christ est venu, il est mort pour nous, il fait promesse, il a retourné, alléluia, pour le venir chercher moi avec vous, et ça faut de connaître, de mettre pas ici bas, ou qu'on rendez-vous céleste, et vous capable rassurer qu'on pas rater rendez-vous ça, c'est éviter toutes sortes de séductions, parce que ennemi, son grand plan, c'est de séduire tous les chrétiens, tous les hommes de Dieu, puis au pas héritier, puis au capable rater, eh bien, avion céleste là. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce. Mais nous avons oublié toute bagaille, mais nous pas oublier, vous êtes, eh bien, à l'heure du réveil. Vous êtes à l'heure du réveil. L'heure est au réveil. Réveillez-vous, parce que moment l'imande ça. Que le Seigneur vous bénisse. Ça l'église dit? Amen. Amen. Réveille-toi, toi qui? Toi qui dors, parce que parole la parole dans la langue PAM, dans la langue POR, tout le monde comprend. Et si nous montrons Jésus-Christ pas loin pour le retour, pour le retourner, ou même quand dormi, réveille-toi, parce que ton père la pas loin sonné. Si nous avons dormi et qui dans un gros sommeil spirituel, notamment de faire fort lever côté là. L'église ga edo pour capable permettre vous réveiller parce que je suis pas loin pour Christ retourner. Amen. Amen. Et la Bible dit ça oui et ça gain oreille. Tendez ça l'esprit dit aux églises que tout le monde a gain oreille. Tout le monde gain oreille autant entendez. Nous allons terminer nous pour aller chanter dans 49 créole et puis pour nous prier pour nous mettre fin dans service là pour nous commencer avec réunion nous. Le monde voulait moins suivre plaisir lui-même, plutôt suivre Jésus. Le monde pas avant moins la vie moins blessant, blessé Jésus. Sans blessé Jésus. Les
vil pi fò mwen mè san mè Jezu san mè Jezu se desi lè mwen se ou pa mi moun san mè Jezu nan tout fi mwen mè semble Jésus dans pensée moins moins veut sembler Jésus dans parole moins veut sembler Jésus dans comportement moins veut sembler Jésus il écrase toute chaîne péché mieux moins veut sembler Jésus fais mes yeux. Nous allons prier pour nous dire bon Dieu merci. Merci parce qu'il te bon nous moyen pour nous te louer. Il te bon nous moyen pour nous te lever main en l'air. Il y a des gens qui pas gain main pour lever en l'air. Il y a des gens qui pas gain langage pour parler. Il y a des gens qui pas gain pied pour marcher. Mais au même bon Dieu nan amour li nan compassion li te bon opportunité pour te capable la matin non seulement pour te louer li non seulement pour te honorer grandeur li mais pour te capable encore entendre paroles ça matin céleste père roi des rois chef tout chef ou même qui pa gen un homme de variation ou même qui omniscient omnipotent omniprésent. Nous bénissons matin, nous louons. Et nous sentons pas la cœur nous matin. Et chaque fois dans les paroles, nous vient plus neuf dans la vie nous. Et ça fait nous vient plus comprendre nous tout. Et ça fait nous vient plus aimer nous tout parce qu'on toujours a annoncé nous. On toujours a parlé nous, a alerté nous pour nous ranger pied nous parce que ou gon koto préparé pour aller jouer pour aller jouer avec nous. Place ça c'est pour nous que vous préparez. Ou dit ou pas bon nous mentir. C'est bon Dieu qu'on y est. Ou pas jamais bah mentir parce qu'on dit ou elle prépare en place. Quand on va y aller, c'est là nous va y aller. Ou toujours à intercéder bon côté papa. Chaque fois nous font erreur, nous font péché. Ou toujours là, le papa t'a condamné nous pour tuer nous. Mais ou a toujours vendu grâce pour nous. Ou a intercédé bon côté papa pour nous. Nous pas t'a loué là encore. Mais grâce l'amour, te vine mourir sous la terre, permettant papa a pas effacé nous. Parce que papa a li trois fois saint. Li pas qu'a oué péché. Li pas capable tant de péché. Li pas capable parler de péché. Mais Christ d'accord pour vine prendre péché yo. Pour vine prendre iniquité yo. Pour venir prendre souffrance, pour souffrir pour nous, pour nous capables de la vie éternelle. Et chaque fois, Dieu l'amour, Seigneur, nous demandons une conscience qui est vivante, nous demandons une conscience qui n'est pas mourir, nous demandons une conscience qui est toujours à balayer nous, l'un fait erreur, l'un fait péché, pour conscience nous capables de dire, et frère, moi, sauf faire pas bon. Ou voulez recrucifier Christ sous la croix encore, ou voulez balpoter fado encore, chaque fois on fait ça qui est mal, chaque fois on parle. Mal, chaque fois on raille un frère, chaque fois
encore rayon ciel. Oh frère moi, ou voulez recrucifier Christ sur la croix encore. Faut conscience ou reprocher. Faut conscience ou de Christ te prend sur la croix déjà. Christ te prend, il pas prend encore. Ou même qui gagne oh qui a qui voulait aller au ciel. Ou même qui voulait oh pas ou pas voulait ou c'est ou voulait Jean-Baptiste pour dire c'est ou à quoi? Ou est déjà? Ou tant de tremblements de terre ont passé déjà? Ou est tremblement de terre? Ou est petit raï papa yo? Maman raï petit, yo compte yo, petit compte papa mourir, maman pas compte petit mourir. Ou pas tant de yo? Ou est yo déjà? Mais qui soit attendre pour venir bailler Christ la vie yo? Qui soit attendre pour capable gagner la vie éternelle? Christ prépare yo pour déjà. Christ gagne faire provision pour déjà. Nous merci roi des rois pour servante que t'as dirigé béni foi et li béni ministère li pour toujours à chaque fois le camper et pour le capable chanter pour vous et que monde qui pral retourner dans travail yo pas capable la participer dans service ça yo mais nous mandons pendant que le travail la protéger yo pendant que yo pas capable la mais l'esprit yo va là quand même malgré yo pas là en chair mais l'esprit yo va là pendant que n'a pas adoré le dimanche matin yo même tout yo va sentir l'esprit pour yon adoré, papa protéger yo. Mais si moun yo, ou qui pral prendre l'école de lundi si yévé, papa n'a pas de protéger yo dans l'école, dans la salle de classe là. J'ai la monseye, couvri yo avec vieux professeur, avec professeur qui pral lancer yo bagay qui pas bon, bagay qui pou séduire yo dans le monde ça. Fais yo pas des oreilles pour entendre des paroles ça yo. Fais yo connaître ce moun bon Dieu yo, pour capable rester l'école, pour capable apprendre, pour obéir parents yo. Et sa parent yo dit c'est lui pour yo faire pour la vie capable prolonger sous terre ça. Père, nous prions papa parce que nous pas bon, nous pas digne, mais nous prions dans nom précieux Jésus-Christ. À qui soit la gloire, l'honneur, louange au siècle des siècles. En nous disant béni soit l'Éternel. 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 Alla au grand Seigneur. Alla au grand Seigneur. Fais mes yeux pour recevoir la bénédiction. Dans Psaume 139, David dit belle parole ça yo. Oh Dieu, sondez-moi et connais mon cœur. Éprouvez-moi et connais mes pensées. Si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sous la voie de l'éternité. Ou qu'a dit Paul ça pour vous? Si nous sommes sur une mauvaise voie, et conduis-nous sous la voie de l'éternité. Que grâce papa, à mon petit là, Saint-Esprit, à consolation, capable de démêler la caille, non pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tout temps et pour tout temps. Que bon Dieu bénisse nous. Passons un bon dimanche. Non, non, Seigneur. Nous voulons remercier chacun de vos contributions financières pour supporter en avec ce nom en Haïti. Merci et merci.